Bonjour toi. Oui, toi. Toi qui t'apprêtes soit à reprendre les cours, soit à reprendre le boulot, alors que moi, je m'apprête à partir en vacances. Ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'août, que dois-tu absolument voir dans les salles? Golo et Richie. Alors, le cinéma et les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, la plupart du temps, ça a du mal à fonctionner au-delà de la bonne idée de marketing, et encore, faut que cela soit fait par une personne qui sait un minimum ce à quoi elle touche pour ne pas que cela vire au viral un peu ringard. Et quand il s'agit de mettre en avant cela par le biais direct d'une œuvre de cinéma, on n'a pas forcément que des bons exemples à se mettre sous la dent. Heureusement que ce n'est pas le cas ici du long métrage que nous offrent Martin Fougerolles et Ahmed Hamidi, en me faisant découvrir, puisque certains d'entre vous doivent déjà les connaître, le duo comique Golo et Richie, le temps d'une épopée cinématographique qui se veut être un mélange assez étonnant entre trame narrative et exploration de ces deux hommes, en même temps qu'un objet cinématographique proche du documentaire dans sa manière de laisser les deux humoristes nous amuser, le temps d'une œuvre qui fonctionne, qui divertit, qui surprend même par instant, mais qui surtout fonctionne extrêmement bien. Cela étant dû donc à ce mélange assez surprenant de fiction, mais également de réel. Car sur le papier, c'est cela qui me faisait peur, mettre en avant deux stars des réseaux sociaux sans chercher à construire grand-chose de plus, mais le petit atout que les deux metteurs en scène ont su construire autour de ce duo, c'est cette idée de jouer sur l'identité, pour construire et développer une narration assez simple qui sonne comme de la fiction, et de développer une forme et un fond qui leur permettent de totalement et librement prendre forme à l'écran. Fougerolles et Hamidi n'offrent pas non plus un film qui surprend dans son exécution, mais il est intéressant de savoir que tout cela est clairement fait en mode guérilla, avec une caméra et un micro, et qu'au-delà de cela, l'improvisation et le lâcher-prise ont porté le métrage, et cela se ressent clairement dans un film qui repose avant tout sur une gestion de l'humour qui sonne comme spontanée et comme très ludique, et qui surtout marche extrêmement bien sur nous, puisque l'on rigole énormément devant cette proposition détonnante dans notre paysage audiovisuel. Proposition qui ressort notamment par la véritable générosité de ce duo. Honnêtement, comme je l'ai évoqué au début, je ne connaissais pas le duo. Et depuis, j'ai pris un énorme plaisir à découvrir, comprendre et aimer ces deux personnages, ces deux êtres humains qui donnent ici énormément au métrage. Golo et Richie n'est pas uniquement un bon duo d'humoristes sur les réseaux sociaux. Ils dégagent à eux deux quelque chose de profondément sincère et surtout de profondément touchant, qui fait que l'on rit, mais que l'on aime aussi les suivre dans cette aventure et comprendre ce besoin qu'ils ont d'amuser les gens, mais également de sensibiliser. Si on n'est pas face à un objet de cinéma qui étonne, on est clairement face à une œuvre qui surprend et qui passionne dans son exécution, Fougerolles et Hamidi parvenant à faire en sorte que ce duo d'internet ressorte du lot de ce que l'on a pu voir dans le genre dernièrement, pour offrir un moment de comédie qui marche, un bon moyen de parler de l'effet des réseaux sociaux sans porter de jugement là-dessus, et surtout, je retiens la découverte d'un duo attachant et touchant que je vais garder en mémoire clairement. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Golo et Richie. Car ce n'est pas une énième proposition complètement allumée de réseaux sociaux et cinéma qui se mélangent pour faire un espèce de truc un peu chelou. C'est vraiment une belle proposition de cinéma qui étonne, qui surprend et qui surtout entraîne par la générosité de ce duo, encore une fois, et surtout par sa drôlerie et par son humanité.